Ça tourne. Action. Ces cinéastes amateurs ont entre 6 et 13 ans et participent à la réalisation d'un court-métrage dont ils ont eux-mêmes écrit le scénario. L'histoire de deux bandes d'enfants qui fréquentent la même colonie de vacances et dont la rivalité va s'aiguiser au fil des jours. L'idée de départ, c'est Aroutioun qui l'a eue. J'ai regardé plein de dessins animés, de films. Et en fait, j'ai pris un peu des idées partout. Et je me suis dit, ça serait pas mal. Et après, on a développé tous ensemble. Ce séjour, organisé dans le cadre du dispositif Vacances apprenantes, mis en place par le gouvernement, a pour objectif de répondre aux besoins d'expérience collective, de partage et de renforcement des apprentissages après la période de confinement. C'est des enfants qui ont été inscrits, détectés par les directeurs de collèges, etc., les ASE, aide sociale à l'enfance. Donc des enfants qui sont venus ici un petit peu en décrochage scolaire. Et là, la thématique, en fait, c'est « Fais ton film ». Et du coup, sur la partie apprenante, ben, y a l'écriture du scénario, la lecture, la cohésion, après la découverte du cinéma, etc. En une semaine, les 8 participants à cette colo apprenante vont s'essayer à toutes les fonctions du cinéma. Comédiens, réalisateurs, preneurs de son, monteurs, ils feront leur film de A à Z, encadré par un professionnel de l'audiovisuel. Je les aide juste à trouver la trame et comment l'écrire, les personnages, de plan en plan, de séquence en séquence et tout ça. Et jusqu'au final, quoi. Cet été, les vacances apprenantes, financées par l'État et les collectivités, auront permis à 44 petits lotois de s'essayer à la caméra et à 54 autres de participer à des séjours découvertes de la nature.